c'est le nouveau repère des aventuriers à vrai. Pont de singe, escalade, tyrolienne. Et même skate jusqu'à 17 mètres au-dessus du sol. Sensation forte garantie. Ça fait un peu peur quand t'es sur la petite ligne, mais sinon ça va. C'était cool. Moi j'ai le vertige un peu, donc j'ai un peu eu peur, mais ça va. Des fois, on tremble un petit peu, mais après ça va. Moi ça me fait pas peur, parce que moi je suis habitué. On a vécu des aventures, j'ai cru que j'allais mourir. Pas d'inquiétude, aucune victime n'est à déplorer après ce premier week-end d'ouverture pour l'acrobranche de la forêt de Montjon. Benoît Friboulet a déjà monté plusieurs parcs comme celui-ci, mais jamais il n'avait connu un tel succès dès le début. 250 personnes sur 3 jours. Les trois quarts des gens nous disent « c'est bien, enfin dans notre ville on a notre parcours aventure ». C'était très 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 attendu et en plus ça fait revivre ce côté de forêt de Montjon. Donc les gens sont vraiment très heureux. Du coup, gros objectif, 12 000 visiteurs sont attendus pour cette première saison sur les 4 parcours. Difficulté bleue à noir, comme au ski. On a fait le parcours bleu, c'est le plus simple, mais c'est déjà d'un bon niveau. Il y a des obstacles qui sont quand même assez compliqués pour les enfants. Il y a une petite qui a eu du mal là devant, mais c'est sympa quoi, pour débuter. Et la meilleure des publicités, c'est peut-être tout simplement que les 270 hectares du parc soient ouverts au public, jusqu'au pied des arbres. Un beau spectacle vu d'en bas. Et finalement, c'est là que le stress est le plus palpable. C'est vrai que ça fait un tout petit peu peur, vu d'ici. Mais peut-être que de là-haut, ça va être génial. Ouais, moi j'ai bien envie de le faire. Mais en fait, j'attends quand même qu'on amène les petits-enfants. Même les pompiers du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, sont venus se renseigner pour quelques entraînements. Il y a des tyroliennes qui descendent au niveau du lac, des deux côtés du lac. Le plus grand défi sera peut-être d'arriver à faire descendre tout le monde de là-haut. Même la pluie lundi n'a pas réussi à démotiver les plus jeunes. Ces filets sont un véritable piège.